Monsieur Tahar Khadraoui, PDG du tour opérateur de Mestar Marin, vous réalisez actuellement une grande opération de séduction vers une destination phare que vous programmez, la Tunisie. Vous pouvez nous en parler? Oui, pour programmer la Tunisie, je cherchais quelque chose d'original qui sort de l'ordinaire. Donc, j'ai trouvé rien de tel que l'aéroport international de Genève pour ouvrir les portes de la Tunisie. Pouvez nous dire encore plus sur cette campagne? Oui, je voulais porter quand même très haut les couleurs de la Tunisie. Et là, on est dans un aéroport, donc la Tunisie est située en plein ciel. Combien de temps elle va rester, cette campagne? Cette campagne restera pendant un mois, pendant tout le mois de mai, jusqu'à début juin. On a saisi cette occasion parce que l'aéroport de Genève est en pleine ébullition maintenant avec les vacances de Pâques. Donc avec les arrivées des bars, et il y a pas moins de 50 000 passagers qui sont susceptibles de voir nos couleurs chaque jour. Et concrètement, à quoi ça correspond cette campagne? J'ai vu des affiches. Combien il y en a à peu près? Il y en a une douzaine tout au long de l'aéroport, en recto verso, en grand format, qui appelle, quand on voit, c'est que nous avons choisi le thème « Allons-y maintenant » pour la Tunisie. Donc la Tunisie, allons-y maintenant. C'est-à-dire que les gens peuvent aussi, là, tout de suite, d'un seul coup d'œil, percevoir ce message. Vous pensez que c'est le bon moment de faire une telle campagne? C'est le moment, c'est toujours le moment, parce que de toute façon, nous avons bien besoin. Il faut bien faire quelque chose, il faut bien bouger. Je pense que l'aéroport connaît une grande activité maintenant, donc il y a un maximum de passagers et un maximum de gens qui peuvent voir cette publicité. Monsieur Khadraoui, je vous remercie.